Today we're bringing you yet another type of video report. This is more like a business discussion with a man who has had a significant impact on the watch industry. This man is Jean-Claude Biver, the man whose marketing ont have made what Hublot is today. And he is now at the helm of the LVMH watch division, meaning Tiger, Zenith and Hublot. here we go. Monsieur Biver, merci de nous recevoir. Euh, on est là pour parler de votre rôle en tant que responsable du département horloger de LVMH. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire votre mission? Ah ben je suis le chef d'orchestre des marques horlogères d'LVMH. Je suis euh, celui qui, qui incite euh, les équipes à, à être performantes, si j'ose dire, à être créatives, à être innovatives. On essaye de promouvoir des jeunes talents. Et ça, c'est aussi une mission très importante. Et voilà, donc je suis plutôt un chef d'orchestre. Dans chaque maison horlogère, nous avons un président. Dans chaque maison horlogère, ce président a beaucoup d'indépendance, parce que sinon il ne peut pas être entrepreneur, sinon il devient un simple cadre. Donc il y, y a beaucoup d'indépendance, de, de, beaucoup d'autonomie. Donc j'ai un véritable euh, travail de, 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 euh, de patriarche presque. <laughs> Et ce patriarche, il prend aussi la main sur le côté industriel. Est-ce qu'il y a des synergies par exemple qu'on peut imaginer entre les marques alors je ne crois pas qu'il y ait des synergies entre les marques au niveau industriel. Pourquoi Parce que ce sont trois marques qui ont des positions de prix tellement différentes. Vous, vous prenez Tagoyer, le prix moyen dans un magasin doit être autour de 2800 francs. On va dire 3000 pour simplifier. Le prix moyen d'une zénith dans un magasin va être autour de 8000. Donc c'est presque trois fois plus. Puis c'est quand même très différent d'une montre à 8000 et une montre à 3000. Puis le prix moyen de Hublot est à 23000 Donc quel est le point commun industriel entre ces trois marques, est-ce qu'ils peuvent avoir trois fois euh, les mêmes boîtiers, les mêmes mouvements, les mêmes cadrans Mais Bien sûr que non, parce que sinon, ça serait du vol. Si si, là euh, pourrait avoir la même marchandise pour 3 000, puis l'autre la vendrait à 23 000, ça, ça c'est de l'illusion, ça serait trop beau si c'était comme ça. Donc, il euh, n'y a pas de synergie. Euh, par contre, il peut y avoir des synergies dans la distribution, il peut y avoir des synergies euh, dans les achats de publicité, il peut y avoir des, des synergies euh, même dans des, des magasins, il peut y avoir de la synergie dans les, la, dans les filiales. Donc, les synergies elles existent, mais il faut faire attention, que, un, de ne jamais en créer qui serait défavorable aux marques et qui enlèveraient leurs caractéristiques, leur ADN. Et puis, il faut aussi, des fois, essayer d'en créer, parce que euh, les marques travaillent en toute une manière très autonome de temps en temps, il est souhaitable qu'il y ait des synergies, aussi des synergies de personnel. Il y a des gens qui, qui ont envie peut-être d'un autre job et ils peuvent quitter TAC pour entrer chez Hublot, etc. Mais on essaye vraiment au niveau industriel, c'est difficile parce que nous avons des échelons de prix qui sont totalement différents, nous avons des quantités d'opérations de, faites main qui sont extrêmes chez Hublot, mais qui peuvent pas être les mêmes chez Tagoyer, parce qu'à ce moment-là, on n'arriverait pas à 3 000 francs ou 2 800 francs en prix moyen. Donc, les synergies, il faut faire attention. Tagoyer a vécu des grands changements cette année. On a parlé d'une smartwatch en développement. On a parlé aussi de l'abandon, de la diminution de la place de la haute horlogerie chez Tagoyer. On en est où aujourd'hui on en est toujours au même point, c'est-à-dire on se recentre sur le cœur de métier, un cœur de métier qui est là, qui est un héritage de Tagueillère. Tagueillère, le cœur de métier, c'est entre 1500 et 3500 francs, et c'est dans ce cœur de métier qu'il faut exceller. Et quand il y a des efforts à faire, il faut les faire dans ce cœur de métier avant tout, et pas essayer d'aller butiner dans des altitudes qui ne sont pas nécessairement faites pour, pour nos fleurs. Donc chaque marque doit savoir où elle doit cultiver, où est son champ. Et le champ de Tagoyaire, il est clairement entre 1500 et 3500, allez, on va dire gauche jusqu'à 4000, disons 1500-4000 et c'est là que Tagoyaire est fort, c'est là que Tagoyaire est un leader même et c'est là que on doit se renforcer absolument avant d'aller butiner dans des tourbillons à 60, 80, 100 000. Ça, c'est le métier... De, de, on a d'autres marques pour faire ça. Mais, mais ils existent, ces tourbillons. Ils étaient développés. Il y avait une vraie culture de, de l'innovation ouais, chez TAGUEIR. Ouais, vous avez une vraie culture de l'innovation dans les tourbillons. Ce n'est pas une culture de l'innovation, c'est une ouais, culture de la répétition. Hein. On répète ce que les anciens ont fait, et puis on fait des chaînes, on fait des courroies. Euh, L'innovation, elle est ailleurs. L'innovation, c'est une smartwatch, par exemple. L'innovation, c'est des nouvelles matières. Heuer euh, se veut être une marque d'avant-garde. Et l'avant-garde, ce n'est pas la répétition de hier. L'avant-garde, c'est se projeter vers demain. Donc, Heuer ne va en rien lâcher son caractère avant-gardiste. Euh, mais, au niveau produit, c est, c est, c est, ce caractère d'avant-garde va s'accompagner, va se traduire, euh, pas forcément par des tourbillons. Mais Taguier a une vraie, véritable mission avant-gardiste, et cette mission avant-gardiste, croyez-moi, on va mettre les, les bouchées doubles, et on va aussi étonner le monde, mais plus par l'avant-garde que par la répétition du passé. D'accord, et sur les smartwatchs, on l'a on évoqué, est-ce que ça a avancé sur ce côté-là ah ben, ça avance tous les jours, jours puisqu'on y travaille intensément et on y travaille toute une équipe euh, en permanence. Donc la smartwatch, c'est un, un travail colossal, puisque nous ne sommes pas euh, autonomes au niveau industriel. Lorsque vous n'avez pas d'autonomie industrielle, d'ailleurs c'est le cas de quasiment toute l'horlogerie suisse l'horlogerie suisse n'est pas dans les télécoms, contrairement à Apple. Donc, nous, nous sommes dans d'autres métiers. Par contre, on peut faire des alliances avec des gens qui ont cette technologie et ensuite faire des, des partenariats et qui permettent des transferts de technologies. Donc, nous travaillons là-dessus et ça, c'est la voie que nous avons choisie. Et je pense qu'en 2016, on aura notre, notre smartwatch pour autant qu'elle soit bien caractérisée et tagoyère, qu'elle ne ressemble pas à une Sony ou à une LG. Donc pour autant que nous soyons premier différent unique, uniques, bah on aura notre smartwatch, ça c'est sûr. Mais, mais mais bon, il faut arriver à être premier différent unique. Il faut arriver à entrer dans la gamme de prix de Tag aussi. Il faut arriver à justifier cette gamme de prix. Euh, et puis il faut que ça corresponde à Tag Heuer. Maintenant, que Taguayer fasse un téléphone au poignet, ce n'est pas forcément la, la, la destinée et ce n'est pas forcément ce que catégorie doit faire. Bon, mais alors c'est important de savoir qu'une montre connectée n'est pas que du téléphone ou des SMS ou des mails. C'est tellement d'autres choses en plus. Et c'est là-dessus que nous, en tout cas à on travaille. On travaille sur le téléphone. Ça fait plusieurs années maintenant que l'horlogerie suisse et l'horlogerie de luxe en général vend énormément de montres. Est-ce qu'il y a une limite cela. Non, la limite, c'est le, le bien-être euh, du monde. Si le monde entier euh, connaît maintenant 10 euh, ans de récession, bah, vous allez voir que pendant 10 ans, on ne vendra plus de montres. Enfin, on n'en vendra pas plus, on en vendra moins. Donc c'est toujours la même chose. Euh, nous sommes dépendants, comme l'industrie des voitures. Comme l'industrie de l'ameublement euh, ou de, de, de l'industrie euh, immobilière, on est dépendant du bien-être et du développement industriel, économique, financier des pays, des nations. Et comme nous venons de connaître plus ou moins depuis 2008-2009, euh, presque six ans de, 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 de vaches grasses, eh bien, euh, depuis six ans, depuis 2009, l'orloger suisse est retombé dans des records successifs, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, et probablement de 15, sera à nouveau un record historique. Donc on est 6, 7 années de suite avec des records historiques d'exportation. Maintenant, il y a 7 années de vache grasse, après il y a 7 années de vache mec, dit la Bible. Bah, maintenant, il faut commencer à faire attention puisqu'on arrive au bout du cycle. Mais une, un ralentissement un jour, il y aura, mais il n'est pas prévisible pour le moment ou pour l'année prochaine. Alors justement, pour parler de l'année prochaine, à votre avis, quelles vont être les bonnes nouvelles et à quoi est-ce qu'il va falloir faire plus attention pour l'horlogerie suisse Alors, les les bonnes Vous, en tant que responsable de la vision les horlogère. Bonnes, les bonnes nouvelles, je ne peux pas vous dire. Les bonnes nouvelles, vous savez, quand je vois la, la, la politique dans le monde, je me demande quelles bonnes nouvelles peut y avoir. Nous n'avons que des successions de mauvaises nouvelles. Il euh, y a des conflits qui naissent et puis les conflits anciens qui continuent. Maintenant, quelles sont les bonnes nouvelles bah, Une bonne nouvelle serait qu'on on va vers plus de paix, qu'on va vers la fin du conflit avec la Russie, qu'on arrive à, à, à faire la paix avec, avec Poutine, qu'on arrive à enlever aussi toutes ces mesures restrictives et tous ces embargos qu'on impose à, à la Russie. Euh, la bonne nouvelle peut être que la Chine... Et je pense que c'est vrai, la Chine redémarre. Enfin, elle n'a jamais arrêté de démarrer. La Chine euh, va reprendre une croissance plus importante. Euh, les Chinois ont passé maintenant un ou deux ans de consolidation. Donc je pense que le marché chinois est, est, en, est en expansion l'année prochaine. Il l'est d'ailleurs déjà cette année. Donc l'expansion chinoise, l'expansion euh, américaine, je pense quand même que l'Europe va finir par sortir de son marasme. Donc si ces trois éléments... Se réalise, plus la fin du conflit avec, la, avec Poutine, euh, à ce moment-là, on, on, on risque d'avoir une superbe année 2015. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Biver. Merci. So, what can we say? What analysis can we bring to this discussion? First, that uh, Jean Claude Biver made some order in uh, among the three brands because really it was not very clear who was doing what in terms of pricing mostly. And then it is very clear Hublot is at the top, then it's in the middle, and Tagger is at somehow the bottom or the end. This is not a bottom because we are speaking about watches that have a price of 3,000 ,003 Swiss francs, as uh, Mr. Biver said. What is very special in this is that the high watchmaking section of Heuer is just disappearing just forget about the v4 forget about the micro gearer and all the very fast chronograph as we saw this is the end of uh, this uh, kind of very innovative watchmaking and actually we regret it a little bit because it was really something that was unique to Heuer, unique to uh, high-end watchmaking that was really audacious brought something new and uh, now we are a little bit wondering where these inventions are going to be to, to be visible again yeah because uh, maybe you remember we did a little coverage on the, this uh, r&d department of tiger and uh, there were some really interesting ideas over there so what is going to happen this is the big question and uh, we also saw, saw that uh, mr beaver Obviously, put Hublot at the top of the pyramid. This is somehow oh, very logical as he really uh, relaunched completely this brand. This is a little bit more surprising considering the history of Venice, also. But what is clear now is that there are some synergies possible among the brands in terms of distribution, retail, training. Uh, Mr. Beaver said that. And he created some kind of little watchmaking group, which belongs to a very massive luxury group. But this is already a proof, it makes it clearer, it, it makes it more uh, understandable for the public. And and uh, we hope that uh, it will it will give some more uh, legitimacy to the whole watchmaking side of LVMH which exists already but is not very clear in terms of, uh, of synergies at the moment excellent so i guess only time will tell and we'll talk about it maybe in a year's time who knows maybe ciao